Bonjour à tous, vous êtes dans le Morianzap. Tout de suite, le sommaire. Retour sur le forum Job d'été organisé à la salle Bochet du lycée Paul Héroux. Premier bureau commun entre la communauté de communes de Larvan et la communauté de communes Cœur de Maurienne. Et pour terminer, aperçu d'une œuvre éphémère mise en place au lycée Paul Héroux. Voilà pour le programme de cette émission. Tout de suite, reportage sur le forum Job d'été organisé par la mission locale jeune Pays de Maurienne et le point info jeunesse de la communauté de communes Cœur de Maurienne. Mardi 3 mai s'est tenu le forum Job d'été à la salle Bochet du lycée Paul Héroux. Notre vice-présidente Sophie Vernet de la communauté de communes Cœur de Maurienne peut être satisfaite car tout au long de la journée, pas moins de 250 étudiants et étudiantes sont venus consulter les différentes offres d'emploi affichées sur le panneau d'exposition. Oui, c'est une action qui me semble très importante et qui est coordonnée effectivement par la communauté de communes. Et je pense que c'est véritablement notre devoir de faire ce type d'action-là. Et c'est vraiment très positif pour les jeunes parce que ça leur permet souvent d'accéder à leur premier emploi. Là, ils ont de véritables offres d'emploi. Et puis souvent aussi, ça leur donne des idées. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très positif. Alors effectivement, il y a plusieurs partenaires. Il y a le PIGE de Modane, le PIGE évidemment de l'espace jeune de Cœur de Maurienne et puis la mission locale jeune et puis d'autres partenaires aussi qui sont là et qui font un gros travail. En tous les cas, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus aujourd'hui et on est vraiment contents. Pas de critères particuliers pour postuler à un job d'été. Ils doivent avoir évidemment entre 16 et 18 ans, ça ce sont les critères primordiaux. Après, les offres là sont véritablement multiples, il y en a sur des stations, il y en a quelques-unes en mairie, donc voilà, les critères, évidemment, il faut être quand même motivé, ça c'est le premier des critères on va dire. De nombreux stands de formation et d'information sont mis à disposition pour enseigner les jeunes demandeurs de job d'été. Séjour linguistique, formation BAFA, service civique, Pôle emploi et aussi des conseils de relooking pour se présenter à des entretiens d'embauche. Ils sont bien entendu indispensables. C'est important aussi ne pas venir complètement mal habillé ou en tous les cas être présentable au moins et avoir un langage correct aussi. Leur expliquer comment faire un CV aussi, ça sont des choses qui fonctionnent aussi. Par le biais aussi de l'espace jeune, on essaye d'expliquer un petit peu comment il faut au mieux présenter les choses parce que c'est vrai que trouver un emploi aujourd'hui c'est long, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'offres pour, il y a beaucoup de personnes qui se présentent pour peu d'offres, donc pour eux c'est vrai que plus le CV est bien établi avec le moins de fautes d'orthographe possible, avec une présentation claire et nette, mieux ça vaut. Les élus et techniciens de la communauté de communes de Larvan et de la communauté de communes Cœur de Maurienne se sont réunis pour la première fois en vue d'un rapprochement futur. Jeudi 12 mai, le premier bureau commun de la communauté de communes Cœur de Maurienne et de la communauté de communes de Larvan était organisé à la salle des fêtes sur la commune de Jarrier. Jean-Paul Margueron et Marc Piton nous présentent ce premier bureau historique. C'est la première réunion où on met autour de la table les deux bureaux communautaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 24 personnes, plus tous les techniciens. Alors, le but, il est déjà de se présenter, de faire connaissance. Et puis, bien sûr, on a invité les cabinets qu'on va faire travailler pour cette fusion, finalement, hein, des deux communautés de communes. Nous allons faire, c'est vrai, cette première réunion de connaissance, de prise de contact avec les cabinets FCL, la ZADAC et
Monsieur Chaplaz, M2C. Ce soir, c'est surtout une prise de contact, que les gens se connaissent déjà physiquement, bien que beaucoup se connaissent déjà. Mais ouais, il est intéressant que tout le monde se présente autour de cette table où on sera réunis souvent, puisque en réalité, maintenant, il va falloir se mettre à travailler et dur pour arriver au 1er janvier 2017 pour cette intégration entre les deux communautés de communes qui se passe le mieux possible. Donc c'est vrai qu'il va falloir créer des commissions, des comités de pilotage, parce qu'on va commencer à travailler un peu avec les cabinets, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, il y aura beaucoup de travail pendant ces 7 mois. Aujourd'hui, je pense qu'on va rester, de toute façon, jusqu'au 31 décembre 2016, les communautés de communes resteront comme elles sont, donc elles auront leur conseil communautaire, leur bureau communautaire, viendra se rajouter à ça en plus un comité de pilotage qui sera composé, on va le définir ce soir, hein, qui composera le comité de pilotage et des commissions qui vont travailler donc en plus du travail qu'ils font encore aujourd'hui dans leur propre communauté de communes, pour pouvoir arriver à travailler sur les compétences obligatoires, celles qui sont nécessaires et qu'il va falloir transférer au 1er janvier 2017, celles qui seront peut-être un peu plus optionnelles et qu'on pourra repousser, mais tout ça va être travaillé en plus du travail qu'on aura habituellement sur les communautés de communes. Marc Piton nous présente les compétences les plus importantes. Il y a la partie transport, il y a la partie l'eau, l'économie, l'eau, le social. C'est des gros chantiers. Donc, comme disait Jean-Paul, on va se mettre au boulot et là, il y a un gros chantier. Parce que comme c'est une première, les gens ne se connaissent pas, il y a une disparité des communes, aussi bien des communes du haut que des communes du bas, des communes touristiques, des moins touristiques. Et communauté de communes de Larvant, on a la compétence de l'eau. Cœur de Maurienne ne l'a pas, Cœur de Maurienne a des compétences que nous n'avons pas, donc il va falloir harmoniser tout ça. Justement, ces commissions serviront à cette harmonie. Et on parle bien d'une harmonie, parce qu'il va falloir qu'on s'harmonise. Eh ben, écoutez, on va se souhaiter bonne chance, parce qu'on a, et bon travail. Parce que je pense qu'on va en avoir besoin, les techniciens vont pouvoir travailler, mais les élus aussi, puisque quand ils intégreront les commissions, ce sera du travail qu'ils devront fournir, quoi. Donc on va se souhaiter bonne chance. On termine ce ZAP avec un projet international de photographie, projet nommé Inside Out, auquel des élèves du lycée Paul Héroux ont participé. Mercredi 11 mai, des élèves du lycée Paul Héroux s'étaient donné rendez-vous afin de mettre en place une œuvre éphémère dans l'enceinte de leur établissement. En fait, on est parti de l'artiste JR qui a fait du street art, le projet Inside Out, et en fait on a décidé de tous se prendre en photo et puis d'y afficher en dehors du lycée, dans la cour de récré. C'est un projet international de photographie qui permet aux gens comme nous, des anonymes, d'envoyer nos photos. Sous forme d'une action de groupe, et le photographe nous renvoie les photos format 90 x 140 cm, donc en poster, et ensuite il nous demande de les afficher dans un endroit public, un lieu public, où tout le monde peut avoir accès au poster. C'est éphémère, on espère que ça va durer au moins une semaine, mais bon, malheureusement avec le temps on peut pas trop savoir. En plus ils sont au sol, donc les élèves vont être amenés à marcher dessus, à se déplacer. Mais bon, on pense quand même que ça risque de tenir au moins une semaine, quoi. On était dans la classe et puis il y a une photographe, une élève, et elle nous a appelé un par un, puis on s'est mis devant l'appareil photo et puis on pouvait faire n'importe quelle tête. Il y avait quand même quelques règles à respecter, pas de signes distinctifs religieux ou d'appartenance à un groupe particulier. On pouvait mettre un chapeau, on pouvait mettre des lunettes de soleil, on pouvait faire une grimace, on pouvait sourire ou pas du tout. Mais voilà, le reste, c'était libre. On appartient à un autre projet qui est fait avec la Biennale en Maurienne, de théâtre. Donc là où aussi on participe, c'est le projet d'ici et d'ailleurs. Donc là, pareil, c'est deux classes de bac pro. Donc ici, encore une fois, c'est les bac pro qui sont mis à l'honneur. On voulait un peu faire valoir cette partie-là du lycée professionnel.
Et l'année prochaine, oui, sûrement qu'on va essayer de trouver un projet comme ça, porteur, qui mélange plusieurs classes, de plusieurs niveaux, et qui permet d'avoir une vision comme ça du lycée professionnel et du lycée général aussi, de l'option facultative art plastique. Notre ZAP est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, l'agenda. Jeudi 26 mai, à 20h30, concert des Raffaello Hermanos et du groupe Fils and Touve au théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne. Tarif unique de 10 euros. Samedi 28 mai, rendez-vous à 20h30 à l'espace culturel de la Croix des Têtes pour le concert de la Fête des Mères. Entrée gratuite. À noter, de nombreuses surprises seront réservées aux mamans. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.